c'est à vous. Merci beaucoup. Ravi d'être ici et ravi de voir le succès de l'événement aussi. Je pense que ça le rend optimiste. Alors, pourquoi FinanceWatch soutient le pacte finance-climat ? Parce qu'il nous rappelle le rôle fondamental de la finance dans la transition écologique. Je veux parler de son rôle positif ici, c'est ce que le pacte met en avant, et en particulier celui de la finance publique. Donc nous pensons que c'est un grand mérite du pacte de relégitimer la puissance publique dans sa capacité d'investissement, de financement comme moteur du système financier dans son ensemble. Un rôle qui a été laminé par 30 ans d'une politique cynique de redistribution de la richesse du bas vers le haut, mais aussi de redistribution de la richesse depuis les poches publiques, si on veut, vers les marchés financiers. Donc l'argent existe, bien sûr, l'argent public, le pacte nous le rappelle, la création monétaire, l'argent magique, comme on dit, l'argent magique existe quand il s'agit de sauver les banques, le pacte en parle. Le budget de l'État aussi via la fiscalité, qu'on sait injuste aujourd'hui, et qui, donc, la fiscalité qui doit être refondée pour financer la transition écologique. L'argent privé, évidemment, existe aussi. Du fait de ces politiques fiscales au cours des 30 dernières années, celui-là, l'argent privé, il est même ultra abondant, il est ultra liquide, ultra inutile aussi, je le crains. Donc cet argent privé, contrairement à l'argent public, a perdu toute direction, toute directionnalité, aveuglé par le profit à court terme. Et donc il faut aussi remettre cet argent privé, les banques, les marchés financiers, au service d'un projet de société, recréer ces courroies de transmission entre des politiques publiques et l'épargne, le crédit et l'investissement. Donc moi, je suis convaincu que des idées ambitieuses, mais qui sont aussi des idées de bon sens, comme celle du pacte, d'une part, l'énergie sociale, d'autre part, celle des jeunes et des moins jeunes qui descendent dans la rue. À cet égard, je suis obligé de dire que la France est assez en pointe depuis plusieurs semaines, on le voit tous. Donc connecter ces idées-là avec l'énergie sociale, à la capacité, donc mise ensemble à la capacité de réussir, là où la refonte du système financier qui a été promise après la crise de 2007-2008, a malheureusement échoué. Et donc n'attendons pas, effectivement, et commençons par utiliser les élections européennes comme plateforme pour le pacte, et certainement c'est ce que nous ferons chez FinanceWatch. Merci. Merci beaucoup, Benoît Lallemand.